Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Edouard, je suis journaliste pour Brut. Alors il y a quelques temps, je vous proposais une vidéo décryptage sur les coups d'État en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. On vous mettra le lien en description. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de revenir pour vous présenter un documentaire sur la vie d'une légende, Thomas Sankara, une icône qui fascine et inspire la jeunesse aujourd'hui encore. Thomas Sankara, c'est tout simplement le père de la révolution burkinabé. Il a été avant-gardiste sur plein de thématiques, que ce soit l'écologie, le droit des femmes ou l'indépendance de l'Afrique. Vous verrez, le réalisateur Yohann Malka retrace plusieurs aspects de la vie de Thomas Sankara. Ce documentaire a été récompensé dans plusieurs festivals. C'est une fierté pour nous à Brut de vous présenter ce documentaire en 2 épisodes. Je vous laisse apprécier le premier et n'oubliez pas, laissez-nous vos commentaires. Bon visionnage. Tu connais Thomas Sankara, toi? Ouais. Toi, tu connais Thomas Sankara? Tu connais Thomas Sankara? Pourquoi t'es sauté son descendant? Vous connaissez Thomas Sankara? Bien sûr, bien évidemment. De nom, en tout cas, mais je sais pas vraiment qui c'est. Moi, je vais pas faire le mytho. C'est l'ancien dictateur. Dictateur? Non, c'était pas un dictateur, c'était un président du Burkina Faso. C'est sûr? Burkina Faso, oui. C'est sûr de toi? Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Bon, c'est bien. Je vois le blue jean avec ses bien cousus là, Levis. Mais ça, c'est américain, ouais, même c'est américain en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lui, il m'a l'air de bien le connaître. Non, je connais pas bien, je vais pas te mentir. Hein. Mais en tout cas, je sais que c'est un grand homme. Parce que vu qu'on connaît tout son prénom, c'est qu'il a marqué l'histoire. Je connais Kalash criminel, il cite l'autre là-bas, Harvard. Mais ça, ça veut dire quoi? C'est la révolution petite bourgeoise. Les petits bourgeois sont comme ça, ils hésitent tout le temps. Ils sont forts en théorie. Nul en pratique. Moi j'aurais bien aimé qu'on parle de lui à l'école, c'est mais tu vois, j'ai pas pensé à l'école. Déjà, on a parlé de l'esclavage, ça s'arrête à là. Tu vois, l'histoire des Noirs, c'est tout ce qu'on connaît. Personnellement, de l'école, que j'ai appris à l'école, mais personnellement, j'ai entendu parler de l'esclavage, après, point barre. Tu vois, je suis un rappeur. Oui. Et ouais. C'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré. Ah, d'accord. Même dans la musique, même dans mon discours. Pour ça, les gars, renseignez-vous, hein. C'est important, hein. Faut faire vivre sa mémoire, hein. Attention à toi, mon frère, bonne journée. Merci les gars, en tout cas, prenez soin de vous, à bientôt. Merci à vous. Hein. Je vous remercie. L'impérialisme, les mauvais élèves, les mauvais professeurs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le gros galère. Camarades, en avant pour la libération de l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Moi, ce que j'aime bien dans Thomas Sankara, c'est son verbe. Il avait des punchlines, comme on dit, nous. Ce qu'il nous reste à faire, c'est la révolution. Nous devons être fiers d'être noirs. Thomas Sankara, ça rime avec fierté et dignité, en fait. Le colonialisme, l'impérialisme. Ces genres de personnages-là, ils passent une fois tous les 100 ans. La femme est une femme révolutionnaire, authentiquement révolutionnaire. Défendre la femme coûte que coûte. On avait un modèle parfait de féminisme ici même au Burkina Faso. On a forcément des ennemis et ils sont nombreux. Ces ennemis, c'est d'abord le capitalisme international. Sankara, ce qui dit bien, c'est qu'on s'ennuyait pas, quoi. Et c'est pas la politique de focus d'appuyer là où ça faisait mal, quoi. C'est digne d'un roman, c'est digne d'un film, tu vois, c'est Hollywood presque. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Une nuit, on tape à mon portail, je me lève, je vais ouvrir. C'est Thomas Sankara et Blaise Compaoré qui sont arrêtés. Ils sont venus à pied. Je les reçois donc sur ma terrasse, comme ça. Et puis, il me dit, on va prendre le pouvoir, et on va transformer les choses dans ce pays. J'ai dit, ah! Cette nuit-là, il y a ce gars qui est très jeune, qui va réunir ses forces. Et qui va prendre le pouvoir et qui va constituer une équipe de jeunes incorruptibles pour révolutionner son pays. Allez, parle-nous de notre stand-forêt de Blaise.
avec ses compagnons qui étaient Blaise Compaoré, ils ont préparé le coup d'État. Blaise Compaoré, qui était très résolu aussi, mais qui était plus un homme de l'ombre, qui était plus introverti, qui ne parlait pas beaucoup, mais dont on disait qu'il était tout aussi déterminé que Thomas Sankara. Je pense que je mourrai avec cette image du militaire frêle, très déterminé dans le ton et le regard, qui a pris la parole pour annoncer qu'aujourd'hui, 4 août 1983, on instaurait la révolution. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. La révolution, ce n'est pas un dîner de gala. Hein. Ce n'est pas avec des queues de pie et des nœuds papillons qu'on fait la révolution. Les paresseux, les voleurs. C'est un bouleversement violent qui amène une classe politique et un pouvoir politique à renverser un autre pouvoir. C'est limpide, c'est clair. Il a fait son choix, il est du côté des peuples. Il avait son plan en tête, il voulait changer son pays. La révolution est permanente. La révolution est victoire. Les jeunes ont tout de suite épousé ce mouvement-là et l'ont pris à bras le corps. Ont tout de suite envahi la rue, l'ont clamé et se sont proposés sans attendre qu'on les appelle. En Afrique, jamais un pouvoir ne s'appuie sur la jeunesse. Tous les dirigeants du pays ont une trentaine d'années, ce qui ne se reproduira plus jamais jusqu'à maintenant. Donner des responsabilités à ces jeunes, c'est une explosion d'énergie qu'il y a à tout point de vue. Le portrait de Sankara. Et j'ai tellement fait ça des milliers de fois que je me souviens de chaque détail de son visage, les yeux, le nez, les oreilles, surtout le béret qui est l'élément important. C'est clair que nous nous réclamons héritiers de Sankara, nous nous réclamons révolutionnaires, nous nous réclamons artistes engagés. C'est pour ça que nous prenons le risque de matérialiser son visage parce qu'il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas le faire. Ah, tu vois ce qu'il a écrit, défense d'oublier. On n'a pas le droit d'oublier cet homme. La patrie ou la mort nous vaincront, c'est l'une des phrases. Quand on finit de la réciter, on a l'impression qu'il y a une énergie qui traverse le corps. Aujourd'hui, on n'a pas un autre repère. Sankara, il est plus que jamais présent dans l'esprit de la jeunesse africaine. La patrie ou la mort nous vaincront. Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez. Ça, c'est américain, ouais, même c'est américain, à San Francisco. Pour y arriver, il a été à la tête de mesures radicales et de prises de position avant-gardistes pour l'époque. S'identifier à une icône, c'est super important. Moi, je sais que ma perception des choses, elle a changé quand je me suis intéressé à Sankara. Tous les Noirs, à un moment donné, ils se posent la question d'où on vient, qui sont nos héros,
Où est-ce qu'on va? Comment on peut arranger les choses? À un moment donné, tous les Noirs se posent cette question, en tout cas en France. J'avais tellement à apprendre de Thomas Sankara et je ne le savais pas. C'est des choses que j'ai apprises sur le tard, parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école française. En étant né ici, c'est juste que j'ai toujours eu une seule version de l'histoire et que forcément, je me suis accroché à celle-ci. Et quand j'ai découvert Sankara, ça a remis en fait à zéro un peu toutes mes références, notamment sur le féminisme. Je crois que le Burkina fait partie des rares pays qui commémorent cette journée du 8 mars, journée de la femme, qui est fériée et chômée. Je vois que vous tenez une liste là où c'est marqué salade, tomate, etc. Cette liste là, ouais. Qui vous l'a établie? C'est ma femme qui me l'a établie. Ce jour, il disait... Il faut que les hommes fassent le marché et que les femmes restent à la maison. Vous savez aussi faire la cuisine? Ah, pour la cuisine, je ne connais rien. Je ne connais pas grand-chose dans la cuisine. Hein. Quand on m'a pris cette décision, la plupart des hommes ont rigolé. Eh bien, on va aller voir. Pourquoi vous n'êtes pas venu seul acheter et porter tout à la fois? Enfin, je ne suis pas venu seul parce que bon, ce qu'il fallait acheter, bon... Je connaissais pas, donc elle me montre comment, elle me montre et puis je paye. On met ensemble, je mets dans le panier. Et la femme, elle a presque honte. S'il vous plaît, est-ce que ça vous fait plaisir de sortir avec votre mari pour venir au marché et qu'il le paye les condiments? Ça vous fait plaisir? Ça me fait pas plaisir puisque moi je le faisais seul. Maintenant vous êtes... Oui, bon lui il devait le faire seul aussi pour savoir les difficultés qu'on rencontrait aussi quoi. Mais qui fait ça? Enfin, franchement, qui fait ça? Moi, ça m'a fait mourir de rire le jour où j'ai su à propos de cette anecdote. J'étais là. Non, mais c'est grave. C'est-à-dire que le gars a appliqué son programme à la lettre. Vous allez savoir ce que c'est que l'expérience d'être une femme, en fait. D'aller et de partager finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale, et ben on va se partager ça. On voit le féminisme comme un courant qui est venu d'ailleurs, parce que maintenant, quand on est féministe, vous entendez des féodaux nous dire non, ça c'est chez les blancs, c'est chez les blancs, ça m'étonne, parce qu'on avait un modèle parfait de féminisme ici même au Burkina Faso. Tu te dis, mais aujourd'hui, on est encore en train d'écrire des tweets complètement dingues pour juste affirmer ça. Lui, il dit ça, on est en 84. Peu d'argent au Burkina Faso, mais des idées. Après la semaine de la femme, la journée du marché obligatoire pour l'homme et la charte de la famille, la télévision locale lance les colombes de la révolution. Vive la femme révolutionnaire voltaïque! La surprise vient du fait que c'est en Afrique qu'un président donne des leçons de ce qui doit être l'évolution du monde, notamment dans ce domaine-là de l'égalité homme-femme. C'est inédit. Je ne serai pas long ce soir, parce qu'il se fait d'abord trop tard, mais aussi parce que les maris réactionnaires attendent que vous veniez faire la cuisine pour eux. Ça, les gens croient que c'est pas surjoué, c'est nature comme ça. C'est la nature de Thomas. Camarade, il faut affirmer que la femme voltaïque est une femme révolutionnaire, authentiquement révolutionnaire. Le premier gouvernement, je crois que les 30% de femmes étaient déjà inacquis. Le ministre de la Santé, c'est une femme. Le ministre du Budget, c'est une femme. Le ministre de l'Essor familial et de la Solidarité nationale, c'est une femme. Le ministre des Sports, c'est une femme. Et il y a au moins 5 femmes. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Les mesures sont étudiées pour permettre aux femmes de recevoir de leur mari, par l'intermédiaire de l'État, ce que nous allons appeler le salaire vital. Le salaire de l'homme se partagera désormais avec sa femme et ses enfants.
au détriment de la bière, au détriment des bars. L'impérialisme, les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrouille, la mort. La femme africaine, c'est celle qui s'occupe du foyer. Moi, j'ai été élevé par ma mère. Je suis né à une époque où les pères africains n'étaient pas trop présents, ou alors ils avaient tendance un petit peu à bifurquer. Et c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup, beaucoup, énormément en fait sur le rôle de la maman en fait. Et je pense que Thomas Sankara, il devait avoir cette fibre où il disait que la femme, elle a une importance capitale. Je pense que son enfance, elle a été marquée par sa maman. On sent bien une empathie particulière. Il a vu sa mère, enfin, il a vu toutes ces femmes paysannes qui passent leur vie à travailler, tout ça. Il en parle comme s'il le ressentait. La sensibilité qu'il avait vis-à-vis de la libération de la femme était à fleur de peau. Et dans tous ses discours, il l'exposait. Dans une même famille de deux élèves, une fille et un garçon, quand ils finissent, quand ils rentrent à la maison, la fille, elle a des travaux, elle doit faire la cuisine, elle doit aider sa mère à faire ceci et cela. Le garçon, lui, sort pour aller s'amuser et ne revient le soir que pour manger. Je pense que cette tradition qui avait pour ambition de faire de la femme un être qui doit rester à la maison et s'occuper des enfants, de la famille, a même été attaquée pour la première fois au Burkina Faso par Thomas Sankara. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la sixième, s'il veut, il commence à faire des enfants, jusqu'en terminale, on ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez hop, allez, renvoyez. Bon, il faut à ce niveau-là aussi, par une éducation sexuelle, apprendre aux filles et aux garçons, chacun, à connaître les dangers, les risques et de tel ou tel acte. Tu es en retard, moins 5. L'éjaculation précoce, là, c'est surtout dû au stress. Tu es sûr? Ça peut être dû au stress, voilà. Mais est-ce qu'il y a un temps indiqué? Il n'y a pas de temps indiqué. Il y a des gens, c'est 3 à 5 secondes après la pénétration. Il y a d'autres. Oui. Thomas Sankara disait qu'on ne peut pas changer les choses sans une dose de folie. Pour moi, porter le voile et parler de sexualité, c'est ma dose de folie à moi aussi. Donc, vous pouvez considérer ça comme une révolution. Pour moi, ça reste une nécessité. Bonjour. Vous êtes passé ici. Ici, à Réussi. On intervient dans la sensibilisation en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Vous savez bien que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Même nos propres parents, c'est compliqué de parler de sexualité avec eux, voilà. Parce que c'est la société burkinabé même qui est comme ça. Est-ce qu'avec vos partenaires, vous avez opté pour une méthode contraceptive? Le préservatif. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Vraiment, vous sensibiliser à utiliser des méthodes, le préservatif surtout. On ne peut pas ignorer les conséquences du manque d'information des jeunes en ce qui concerne cette vie sexuelle-là. Donc, le problème est là et il faut l'affronter. Il y a aussi ce volet féministe-là dans ce combat parce que de toute évidence, lorsqu'une grossesse survient, c'est la femme qui est la victime. On conseille en fait les jeunes de se rendre dans des centres de santé spécialisés en termes de sexualité pour avoir les conseils qu'il faut. Parce que tous les contraceptifs ne vont pas avec tous les organismes. Même le simple préservatif, il y en a qui sont allergiques à ça. Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et toujours dans ce domaine, encore mon idole, c'est Thomas Sankara, qui arrivait vraiment à capter l'attention par la puissance du message qu'il véhiculait. Toute sa politique, finalement, c'est de dire on est capable,
On est capable d'avoir une autonomie en termes d'agriculture. On est capable de lancer de nouveaux projets. On parlait du féminisme. On est capable. Et même l'écologie. C'est-à-dire que le type, il était tellement en avance sur son temps. C'est le capitaine lui-même qui mène les opérations de reboisement utiles à son pays. Lorsque l'on dit que le désert gagne plus de 7 km par an dans notre pays, ce n'est pas visible. Mais il faut une campagne de sensibilisation d'abord. On a tous vu l'impact écologique. Parce que ça a été aussi sur ce terrain-là un pionnier avant l'heure. Bien avant qu'on prenne conscience mondialement qu'on vit sur une même terre et que ce qui se fait ailleurs comme atteinte à l'environnement allait avoir des conséquences aussi bien ici qu'ailleurs. De dire on n'importe pas le riz qui vient d'Asie. Encore aujourd'hui, on est dans ce problème aujourd'hui en Afrique d'importer du lait qui au final est frelaté. Enfin bon bref, on se retrouve dans des scandales comme ça parce qu'on importe un maximum de choses et qu'on ne produit plus sur place. Lui, il avait déjà ça en tête. Je pense qu'à l'époque, oui, il a dû faire peur à plus d'une personne en France. La participation du camarade président à la conférence internationale sur l'arbre et la forêt est une occasion pour relancer le dialogue avec la France. Dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, beaucoup de regards sur le capitaine Sankara. Le capitaine Sankara a dénoncé courageusement l'égoïsme des plus nantis vis-à-vis des pays victimes des catastrophes naturelles. Le pillage colonial a décimé nos forêts sans la moindre pensée réparatrice pour nos lendemains. Nous voulons donc affirmer que la lutte contre la désertification est une lutte pour l'équilibre entre l'homme, la nature et la société. Aujourd'hui, on est sensible à l'écologie. Mais sauf que lui, ses problèmes, ils étaient là déjà. La sécheresse, elle était là. La déforestation, elle était là. Lui, il a répondu directement aux soucis qui se posaient devant lui, parce que c'était vital. C'est vrai que c'est très actuel, hein. C'est vrai que c'est un visionnaire. On peut voir un message messianique hein, dans son discours. Et moi, je pense que c'est la nécessité surtout. Il sera interdit de couper le bois. Désormais, tout véhicule transportant du bois sera arrêté. Et des amendes lourdes seront prononcées contre le propriétaire du véhicule. Et nous permettrons ainsi à la nature de se reproduire de façon harmonieuse. Ici, on a vu qu'en quelque temps, même des espèces de faune, etc., qui avaient disparu, étaient revenues dans certains villages. Moi, dans mon propre village, les gens ont vu qu'en 4 années où il n'y a pas eu cette coupe abusive du bois, etc., on a vu la régénérescence du sol. C'est l'avenir qui se dessine. Et Thomas était un pionnier. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses bien cousus là, Levis. C'est bien. Mais ça, c'est américain, ouais-même, c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? Would you got your money on? L'Afrique doit avoir son propre marché, l'Afrique doit avoir ses propres lunettes pour regarder le monde. Donc, matérialiser le consommant local, consommant burkinabé comme l'a voulu Thomas Sankara. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Les slogans qui étaient sur tous les murs de la ville de Ouagadougou disaient ceci, produisons et consommons burkinabé. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. C'est dire qu'on ne va pas continuer à mendier. La mendicité, c'est fini. On se sauve soi-même. On n'est pas sauvé par quelqu'un. Malheureusement, par manque d'organisation,
nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister. Il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. En 4 ans, on a pu pour la première fois depuis les indépendances atteindre l'autosuffisance alimentaire. On a construit le plus grand barrage de ce pays qui a permis de passer de 300 millions de mètres cubes à 600 millions de mètres cubes sans un franc d'aide extérieure. C'est pas quelque chose, ça? Sankara, il répond aux besoins du peuple, il répond aux besoins essentiels. Lui, il dit qu'il faut donner à manger tous les jours aux gens, faut leur donner à boire, etc. Il crée un modèle, je vais dire, de développement, et donc il est effectivement très populaire. Vu de France, on a toujours pris les présidents africains un peu comme des guignols, j'ai envie de dire ça, quoi. C'est cette image-là, en fait, qu'on a du président africain dans ces années-là. Quand on prend, par exemple, Bokassa en Centrafrique, il s'autoproclame empereur. Une cérémonie, juste, je pense que le prix de la cérémonie d'investiture, c'est probablement le PIB de son pays et des pays voisins. Aube grège, faite de perles incrustées de diamants, couronne de lauriers d'or. Jean Bedel Bokassa va devenir Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. C'est la même chose pour un Mobutu au Zaïre. On reste sur cette figure de président qui avait des palais complètement dingos. Moi, j'ai vu Mobutu, hein, assis dans son trône, avec sa toque, avec ses ors. C'est ça aussi l'imaginaire que les élites politiques ont semé dans les esprits. Moi, un président africain, dans ma tête, franchement, c'est... C'est tout ce que je déteste, en fait. En fait, c'est tout ce qui nous montre que finalement, on va vraiment avoir du mal à franchir ce palier pour pouvoir vraiment devenir un État ou un continent qui va compter, en fait. Thomas Sankara, il avait cette vision. Et en opposition, on a tous les dominions, tous les chefs d'État africains qui, en fait, pensent d'abord à s'enrichir personnellement plutôt que de redonner au peuple. Sankara, il a 10 000 de tout ça. Il habite toujours dans son petit quartier. S'il faut, il rentre à vélo même chez lui. Parce qu'en fait, il est proche du peuple. Il est le peuple, en fait. Ce putain de rap, on le néglige, mais il avance et n'écoute pas les écrits qui viennent te dire. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute-Volta? C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire Patrie des hommes honnêtes. Oser aussi appeler un pays comme ça. Il faut dire que franchement, c'est mille fois mieux que Haute Volta. On nous appelait des voltaïques comme les piles photovoltaïques. C'est pas très héritage du colonialisme français. La patrie des hommes intègres. Tout de suite, tout le monde le comprend. Tout le monde l'a accepté. Si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices, des sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Ces sacrifices, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités, parce qu'ils sont des privilégiés. Thomas Sankara, son salaire était connu. C'était moins de 200 000 francs CFA, donc moins de 200 euros. Moi qui vous parle, j'avais quoi? J'avais même pas 200 euros par mois. En tant que ministre pendant 4 ans.
Mais je ne m'en suis pas plaint, je ne m'en plaignais pas. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes. Et même quand il est possible de voyager par les avions de charter, nous le faisons. Ce soir, sur notre plateau, une invitée de marque. Plus belle que jamais, raffinée dans les moindres détails, super équipée des pieds à la tête, quelle ligne! Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Vous avez eu les R5? Mais bien sûr. Vous étiez bien dedans? Mais absolument. J'ai quitté une 505%, ça ne me gênait pas, puisque avant ça, j'étais en mobylette. Vous aviez une R5? Non, j'avais une Citroën Visa. Ce que Thomas ne supportait surtout pas, c'est l'accumulation excessive de biens personnels. La maison paternelle est toujours là, vous pouvez la voir encore dans le quartier d'Apoya. Il avait une bicyclette. Il avait une guitare parce qu'il aimait jouer de la guitare, il aimait se mettre avec d'autres jeunes pour jouer. Et je crois que c'était tout. C'est quand même ouf qu'un gars, il ait décidé de s'appauvrir, de galérer, de donner sa vie, de faire avancer les choses. C'est un homme qui était vraiment sensible à la misère de son peuple. Et il disait dans ce sens, par exemple, qu'il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. C'est lui qui l'a dit. Il préfère que l'eau potable pour tout le monde plutôt que le champagne pour quelques-uns. C'est fort quand même, ça parle. Donc, de ce point de vue, je pense que ce n'est pas de l'égalitarisme, ce n'est pas du populisme, non, c'est du réalisme. Ils sont montés au pouvoir très jeunes, ça bouillonnait de partout. Il fallait expérimenter toutes les idées. Et je crois que ça allait un peu trop vite. Il a fait plein de petites erreurs en fait. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors, pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Quand on lui faisait remarquer que ça va trop vite, il disait, mais c'est un combat de vie ou de mort. Ou nous réussissons, ou nous disparaissons. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Ouais. Sankara, il dérangeait trop, tu vois. Il était trop extrême dans sa façon de vouloir lutter contre la corruption. Trop extrême dans sa façon de vouloir stopper certains avantages qu'avaient certaines personnes. Et ça, je pense que c'est ça qui l'a tué. Parce qu'en fait, les vrais ennemis de Sankara, ils étaient à l'intérieur. Voilà, j'espère que vous avez aimé la première partie de cette vidéo. Vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas très longtemps sur votre faim car la deuxième partie sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de Brut. Vous verrez dans cette deuxième partie le tournant qui a mené à l'assassinat de Thomas Sankara, notamment avec la trahison de son ami et frère Blaise Compaoré. Je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous dès demain.